Tous, c'est iPhone Legend. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai le plaisir de vous présenter pour l'installation de l'iOS 9 qui est sorti à partir de 7 heures, heure française surtout. Pour ça, il vous faudra brancher votre iPhone ou iPod Touch ou iPad nouvelle génération. Moi, je dispose surtout d'un iPhone 6 Plus de 64 Go que je suis en train de faire la nouvelle mise à jour. Pour ça, il faudra brancher le petit cordon comme ceci, là, votre ordinateur derrière. Puis, il vous restera à sauvegarder vos données personnelles, ce qui est le plus important, si vous ne voulez pas les perdre. Voilà, ici, il faudra appuyer ici. Après, je vous conseille surtout de faire une mise à jour. Là, moi, j'ai déjà lancé, les serveurs sont très longs, sans vous mentir. J'étais obligé de faire plusieurs coupures, tout ça, dans l'installation du téléchargement de l'iOS 9, tellement les serveurs sont saturés pour ça. Le chargement tourne actuellement en cours. Il me reste actuellement 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, nous allons être en direct, surtout, pour accueillir surtout le nouveau iOS 9 pour là actuellement sur mon appareil. Voilà. Après, dans les prochaines vidéos, il y aura surtout toutes les nouveautés, les modifications qu'il y a eu par rapport à l'iOS 8, les bugs qui ont été corrigés aussi, c'est le plus important. Je pourrais dire quoi de plus, pour moi, on reste encore flou. J'ai jamais eu le temps et avoir mis iOS 9 pour l'instant. C'est la première fois que je suis en train de faire là. Voilà. Surtout à bien sauvegarder vos données personnelles, c'est le plus important. Si vous voulez pas perdre vos numéros de téléphone de contact et vos photos personnelles, surtout sauvegardez bien. Je dis bien ça. Il y en a beaucoup qui ne le font pas du tout ou qui oublient surtout. Voilà. Vous avez le mode mise à jour pour mettre à jour pour l'iOS 9 comme est marqué ici ou bien restaurer votre iPhone ici. Pour la sauvegarde, quand ça va se faire la sauvegarde, après il faudra aller dans iTunes, préférences qui est là à ma gauche de mon ordinateur. Je clique une fois. Je vais dans Appareil et là j'ai toutes mes sauvegardes. Voilà. Ça c'est la sauvegarde qui a quelques temps en arrière du mois de juillet. Voilà. Maintenant nous allons se rebaser sur le temps. Il nous reste très peu de temps avant la fin de l'installation, surtout du téléchargement. Voilà. Pour l'instant sur mon iPhone, il n'y a rien de spécial. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple, comme vous le voyez bien. Voilà. J'ai coupé le réseau, surtout pour pas être dérangé par les personnes durant le tournage de la vidéo. Voilà. Là, il reste 6 minutes actuellement. Nous allons attendre tout en espérant que ça se passe bien, surtout qu'on arrive à avoir l'iOS 9 en temps complet sur mon iPhone 6 Plus. Voilà. Là pour l'instant, il est encore en tournage d'installation, j'appelle ça. Là, il reste 5 minutes pour l'instant. Nous croisons les doigts surtout pour arriver jusqu'au bout, en espérant pas à la dernière minute que le chargement nous met au serveur ou une erreur ou bien des 3, 4, voire 12 heures surtout. Voilà. Pour le moment, il faudra rester patient juste à la fin de l'installation. Voilà. Là, il nous reste 4 minutes. Juste à maintenant, tout s'est passé tout correctement. Voilà. N'oubliez pas de mettre à jour aussi iTunes, c'est le plus important, et d'attendre surtout la fin, comme je suis en train d'attendre pour l'installation de l'iOS 9. Voilà. Restauration,
S'il a vraiment besoin, c'est pas le plus nécessaire, je vous le confirme surtout. Le plus important, c'est de mettre à jour. Voilà. Si vous restaurez l'iPhone et si vous oubliez en même temps de sauvegarder, ça ne va pas être bon pour votre appareil. Et vous allez perdre toutes vos données personnelles, photos y compris, et contacts. Le plus important, c'est les contacts. Les photos, après, vous pouvez les retrouver sur votre ordinateur si vous les avez. Mais ce problème, si vous les avez pas, c'est encore plus embêtant, pareil que les contacts. Voilà. Là, pour le moment, la mise à jour est toujours actuellement en cours. Voilà. 3 minutes. 3 minutes, c'est très peu et c'est très long pour attendre, surtout pour voir toutes ces modifications qui ont été faites par les développeurs d'Apple dans l'iOS 9. Voilà. Surtout voir la rapidité, la fluidité de la navigation sur les réseaux sociaux, sur quoi d'autre encore? Voilà, sur Safari. Google Chrome, des applications qui a été mis à jour sur certainement pour l'iOS 9, voilà. Là pour le moment c'est toujours en cours, il nous reste 3 minutes à attendre, voilà. Surtout si vous avez des problèmes, je dis bien, ça monte à des 3-4 heures, n'hésitez pas à fermer iTunes et remettre iTunes. Si ça fait toujours, mettre sur pause ici et rebalancer le téléchargement pour l'installation. Voilà. Le tournage est toujours en cours d'installation sur l'iPhone 6 Plus. Voilà, il reste 2 minutes. Très bon. Voilà. Là pour le moment, l'iPhone a pris dans le téléchargement 1 Go 95 est égal à 900 Mo 50. Sur la capacité qui fait le logiciel de 2 Go quand même, 1,4 qui est énorme. Si vous avez une connexion de moyenne qualité, ça va être vraiment très dur à mettre à jour. Pour ceci, voilà, nous arrivons bientôt à la fin, il nous reste 76 secondes. Voilà, toujours rester patient. Après la fin de l'installation de l'iOS 9, on fera un petit tour quand même dans les modifications, ce qu'il y a eu, les nouveautés à peu près. On va voir tout ça et quoi ça donne aussi. Voilà. C'est pas toute chose d'installer le logiciel et de pas savoir où on va. On va essayer de se repérer. Comme il se doit, il y a un petit peu où il faut aller pour tout ça. Voilà, il nous reste 35 secondes. C'est très peu et nous attendrons surtout juste à la fin. Surtout ne pas débrancher son iPhone. Il se pourrait surtout que votre iPhone bug par la suite. Voilà, c'est très vraiment fragile un iPhone. Surtout au niveau de la carte mère, c'est le cœur de l'iPhone. Voilà. Voilà. Là, le logiciel touche à sa fin, est en cours de traitement sur le fichier. Surtout ne pas débrancher. Voilà, mon iPhone, pour le moment, n'a rien fait encore. Voilà. Voilà. Pour le moment, c'est toujours en cours. Le logiciel commence à partir pour l'extraction du logiciel. Voilà. Sur ma droite, c'est marqué les 2,4 Go est terminé. Pour ça, on va le laisser comme ça pour l'instant.
Là, le petit Thierry commence à toucher à sa fin actuellement. Toujours rester patient, ne pas débrancher votre iPhone surtout. Il se pourrait, et forcément ce qui peut arriver, avoir un gros bug sur votre iPhone. Là pour le moment, mon iPhone commence à faire la préparation du logiciel. Là pour moi, mon iPhone est toujours en droit. Voilà. Mon iPhone a mis, comme on le voit là, la flèche iTunes avec le petit logiciel. Il redémarre sur la pomme, ce qui est normal. Il faudra pas s'inquiéter à ce moment-là. Mon iPhone vérifie bien que la mise à jour passerait, qui va passer surtout, en espérant ce que je souhaite. Voilà. Là, pour le moment, j'ai le petit tiré qui va commencer à avancer. Voilà. Là, pour le moment, je vais attendre. Voilà. Pour le moment, le logiciel commence à s'extraire. Voilà. Là, ça commence à avancer tout doucement, comme on le voit là. Voilà. Je vais le présenter devant la caméra pour que tout le monde le voit. Ça va quand même assez vite quand même pour la mise à jour. Le logiciel est toujours en cours sur l'iPhone. À ne pas surtout débrancher votre iPhone durant l'installation de l'iOS 9. Voilà, je vous fais montrer mon iPhone, toujours en cours. Il y a quelques temps de ça, on a eu plusieurs tests que j'ai fait. J'ai pas fait de vidéo malheureusement, des bêtas que je dispose de moi-même, un compte développeur, surtout pour présenter, malgré que j'ai pas fait ça. Dans les prochains jours, il y aura forcément pour l'iOS 9 bêta. 9.1 bêta 1 exactement pour ça. Voilà, là il fait la vérification du logiciel. Là nous sommes à moitié de l'installation pour l'instant. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le téléchargement du logiciel a été vraiment long. Moi ça m'a pris presque 1 heure pour l'installer, malgré que les serveurs sont saturés au moment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disposent d'un iPhone ou d'un iPad ou autre comme l'iPod Touch. Voilà. Voilà, là nous sommes presque vers la fin. Voilà. Voilà. À la mise à jour de la du programme interne dans la carte mère. Voilà, pour le moment j'ai plus ici mon téléphone, il redémarre sur la pomme. Voilà, pas mal pour l'instant, aucun bug qui a été fait, rien, très bonne réalisation pour le moment. Il redémarre avec le trait. Voilà,
Voilà. Je vais aller sur mon téléphone. Voilà. Là, je suis bien sur l'iOS 9 pour ça. Et là, je vais attendre que le petit tiret avance avant de vous faire montrer en direct. Voilà, là je vais avoir une photo qui va s'allumer. Je vais l'enlever. Ça, c'est chiant. Voilà. Là, je vais attendre encore un petit peu que... Ah, voilà. Là, ça est passé. Ça a été fait vite, malheureusement. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pas être dérangé, j'ai pas déverrouillé mon iPhone. Voilà. Ok. Là, quand on arrive, ça marque actualiser tout ça, là. Ok, je continue. Je désactive la géolocalisation de mon iPhone, comme ceci. Voilà. Dans configurer Touch, comme ceci. Voilà. Je vais le mettre pour plus tard. Continuer. Faudra continuer. Option du code. Ne pas ajouter de code. Et continuer encore. Voilà. Maintenant, il me demande mon identifiant Apple. Je ne vais pas vous faire entrer mon adresse mail, malheureusement. Je vais marquer. Je n'ai pas d'identifiant dans ces cas-là. Et quoi d'autre? Là, vous êtes obligé de mettre votre mot de passe et tout ça. Je vais couper pour une dernière fois la vidéo et on se reprend tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Me revoilà. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, on pouvait pas, mais si on peut, il faudra aller. Vous n'avez pas d'identifiant Apple. Configurer le réglage plus tard, les réglages plus tard. Ok. Ne pas utiliser. Voilà. Là, on arrive à cette page-là. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur ne pas envoyer. Et voilà. Maintenant, je vais démarrer l'iPhone. Voilà. Suite à toutes ces modifications-là, je vais aller dans réglages, comme ceci. Voilà. Là, quand j'arrive dans le réglage, je suis à ce niveau-là. Ok, pour ça, aucun problème. Je vais aller dans Général, Information. Voilà, mon iPhone a été bien pris en charge. Je dispose bien de l'iOS 9. Voilà. À ce niveau-là. Dans version par ici, voilà. Maintenant, nous allons faire un petit peu le tour de tout ça. Vous avez surtout qui avait pas dans l'iOS 8, je l'avais eu testé dans les bêtas. Vous avez quand même. L'économisateur pour économiser de l'énergie sur votre appareil. Ça, c'est pas mal, ça, c'est la grande nouveauté. Voilà. Pour tout ça, nous allons passer au mode pour activer. Voilà. La batterie se met en jaune. Voilà. Pour dire que c'est en train d'économiser votre batterie. Voilà, pour ça, c'est la grande nouveauté. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Après, vous avez quoi d'autre? Les fonds d'écran.
Ça aussi, c'est la grande nouveauté, fond d'écran. J'avais déjà fait eu le test. Voilà, tous les nouveaux fonds d'écran, vraiment pas mal. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Pour les nouveaux fonds d'écran, vraiment très haut de gamme. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux étapes suivantes. L'iCloud, rien n'a changé dans l'iCloud. Twitter, tout ça, c'est pas ça. On va faire. Vous avez aussi, depuis un petit moment, vous pouvez choisir aussi dans. Pour votre donnée cellulaire ici, vous pouvez choisir ou utiliser la 3G, la 2G ou la 4G si vous disposez dans une ville qui capte la 4G. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Voilà. Je vais fermer ceci. Voilà. Pour ça, un nouveau clavier. Un nouveau clavier de l'iOS 9 qui a été qui n'était pas dans l'iOS 8. Voilà. Téléphone, nous allons voir téléphone. Les contacts, c'est toujours pareil, aucune modification. Très rapide, très fluide surtout. Voilà, la très peu de choses, comme on dit, c'est beaucoup de la qualité fluide qui apporte beaucoup dans le téléphone pour tout ça. Voilà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et la vidéo va se finir dans un court instant. Avant tout, il reste quelques petits bonus à avoir dans le téléphone. Nous allons passer. Voilà. Dans le spotline, c'est quand dans le téléphone vous tournez ici, hop là, voilà, le nouveau système de l'iOS 9. Voilà. Vous pouvez régler aussi, faire un réglage. Après, vous pouvez choisir. Choisir n'importe quoi, un plan ou n'importe quoi. Vous avez quoi d'autre? Le panneau de notification n'a pas changé. Là, j'en ai pas pour l'instant. C'est toujours pareil. Voilà. Voilà, c'est une présentation assez rapide à ce moment-là. Les présentations. Dans la description et plus détaillées seront disponibles dans les prochaines vidéos surtout. Voilà. Bon bah voilà, la vidéo va se finir. Merci à tous d'avoir suivi l'installation de l'US 9 pour ça. Et en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire dans la vidéo et à vous abonner surtout si vous le souhaitez. Voilà, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao!